Salut à tout le monde et bienvenue à TDH. Allez, je vous montre un endroit que vous n'avez jamais vu. L'humidité fait des ravages, hein. Pour cet étage, apparemment, ce n'était pas pour les malades. C'était plutôt pour les professionnels qui travaillaient ici. Le parquet est nickel. Nickel de chez nickel, putain. Ah bah attends, mais c'est quoi? Ah mais non, mais c'est du stratifié, c'est de la demeure. Mais bon. Donc là, cet étage. Service de chirurgie pédiatrique et orthopédique. Hospitalisation enfant de 0 à 5 ans. Ah, c'est chaud. D'accord, bon bah, on va rentrer. Donc là, pareil, hein, matériel médical partout, ils ont tout démonté. Hein. Tout ce qu'on voit là, c'est tout du matériel médical. Ok, d'accord. Pas mal. Bon, voyons voir, continuons. Ouais. Ah, c'était des chambres. Ah ouais, là-bas où j'ai visité au début, il n'y avait pas de chambre. C'est là, en fait, le service. D'accord. Toutes les chambres. Ouais, d'accord, la prise de terre et tout ça. Ouais, je sais, hein, j'avais pété un peu un plomb, hein, j'ai de la force, hein, je sais. Des chambres. C'est des salles de bain, des douches, ok. Voilà, tu pouvais prendre baigner ton enfant, te laver toi et laver ton enfant là. Enfin non, te laver avec ton enfant. Mais aussi tu pouvais essayer à prendre. Vous l'avez un enfant. Bon, je sais pas si je me suis bien, si j'ai bien argumenté, mais voyez bien ce que ça veut dire, quoi. Là c'est pareil. Ah non, là c'est juste un évier. Okay.
une petite fenêtre là. Regardez, je pense que les feuilles faisaient. Salle d'accueil, c'était quoi ça? Alors, plan, demande journalière. Bras adulte, pouce d'oreiller, tête d'oreiller, habillé de service blanc, drap de bain adulte, gants de toilette, serviette de toilette, ouais, c'est tout ce qui est. Ce qu'il fallait, quoi. C'était un peu comme un cahier des charges de tout ce qui était employé, parce que toutes les pages elles se ressemblent après. Bon, on va se laisser ici pour le repos de pour le repos des enfants. Il est demandé expressément de limiter les visites sauf les parents directs à 2 personnes et de 15h à 19h. Voilà. On va se laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Salut !